Donc eux, on va les attaquer. On va les... Il y en a un qui est sorti. On va les attaquer. Problème, c'est que je suis full. S'ils ont des un bon stuff. Alors on y retournera. C'est vers où? Le truc, c'est que c'est loin, quoi. Il fait quoi, là? Ils font quoi, eux? Ils m'attaquent, là? Baron Félon. Wesh. Tu veux quoi? Ouais, moi j'ai plus d'y pompe, wesh. T'as compris toi ou tu en veux toi aussi, tu te manges des balles? Il est un arc lui par contre. J'ai récupéré quoi? Plastron de dormant, crax. Ah, c'est bien ça. What? Mais tu veux quoi? Wow. Eh, ils sont deux là, non? Si, si, ils sont deux. Vas-y là, gros. 90. Vous avez vu les gars, je viens de construire un escalier, comme dans Fortnite. Ah, ils sont résistants les bâtards, non? Ouais, moi j'ai trop joué à Fortnite. Je vous éclate, j'ai des bonnes mécaniques. Les mécaniques, bro. J'ai plus de balles de pompe. Les mécaniques, guys. Il y en a un qui est en dessous de moi là. Il a lâché quoi? Ah. Non. Bon, attends, on va aller. On va aller... Oh! Tu veux quoi là? Mais tu veux quoi, mon pote? Mais tu veux quoi? Alors, par contre, ils nous ont donné plein de choses. Donc là, c'est le moment où ça va commencer à être chiant. Il va falloir faire le tri. Je crois qu'ils nous ont donné des armures. Alors, déjà, ça, je peux le jeter. Y a rien d'autre. Ok. Oh, t'y en a encore un? Headshot! Allez, vas-y, va te faire foutre. J'aimerais bien l'arc. Faut avoir l'arc, merci. Oh le bâtard. Me wall. Attends, gros, j'étais pas prêt là. C'est la triche. Turtle fight, guys. Turtle fight. J'ai plus de balles, donc on va prendre l'arc, hein. Je n'ai plus de balles. Vas-y, mais crève! Oh là là! Légitime défense! Ouais, je me fais agresser là! Incroyable ça! Bon, on a trouvé masse truc! Super intéressant! Par contre, ouais, j'ai pas assez de place pour tout stack quoi, c'est relou! Voilà! Alors, j'ai ça et ça. J'ai une armure entière de rechange. Une armure entière normande, je crois. Avec ça. Y a pas les pieds pour les normands? Wow, tu veux quoi toi? Encore un bandit là, je suis en train de faire mon marché. Tu veux quoi frère? Ils m'ont rendu fou, eux. Il y en a encore un.
Vas-y, y en a trop là. Il repop ou quoi? Bon, on va continuer l'attaque, du coup on va aller voir chez eux ce qu'il y a. Le truc c'est que j'ai plus rien quoi. J'ai plus de place du tout. J'ai plus de place du tout. Waouh, il y en a encore plein en fait. Ok. Mais rendez pas fou là. Voilà. 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 What? Pourquoi il ment pas là? Je suis un peu assez haut. Voilà, ça dégage. Ville racaille. Ville racaille. Elles sont les flèches. Ok. On va recharger. On va continuer cette attaque. On va se remettre un peu de vie d'abord parce que. Ça dure vraiment très longtemps, non? Il y en a encore, mais c'est pas possible. Mais tu veux pas crever un peu? Ouais, écoute. Hein. Voilà. Toi, c'est à coup d'épée qu'il te faut, qu'il te faut crever. Oh le bâtard. Ouais, et il fait mal, hein? Oh, comme il switch. Il switch d'armes super vite. Tous les codes du château félon sont maintenant déverrouillés. C'est bon, on les a tous tués. Ah, je crois qu'on les a tous tués, les gars. Alors, on va prendre un nouvel arc, du coup. Hein, on va prendre une nouvelle armure, tout simplement. Bon, on se met bien. Hein. On se met bien, on se met bien. Ouais, on se met bien, non? Voilà. Tac, on se remet full. On reprend l'arc. Ouais, il est où? Il est là. Voilà, on est full flèche. On a trois arcs. Deux arcs. 128 flèches, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est le truc de. Population 5. Il y en a plus que 5 là. Hein. J'ai peur qu'il y ait des coffres, des trucs, des pièges. J'ai peur qu'il y ait des pièges. Je sais pas du tout comment. Ça fonctionne ces châteaux. À vrai dire, j'en ai pas souvent trouvé. C'est très rare d'en trouver. Hein. Y a rien là. En vrai, ça pourrait me faire une base à cet endroit-là. En vrai. Je fronce encore les sourcils. Hein. Tous les coffres sont déverrouillés. Ah bah. D'accord, mais y a pas grand-chose dans les coffres en fait. Franchement. Un petit peu de l'arnaque quoi. Non? Moi je m'attendais à des trucs OP. Peut-être qu'ils ont pas eu le temps de piller ces bâtards. Ah. Non plus. Non plus. Château félon. Voilà, mais. Ah d'accord. Et ils sont où les items? Ah, baguette de négation. Ça, c'est bien ça. Baguette de négation, en gros, c'est s'il y a un village qui te fait chier. Ah, là, je vais garder ça plutôt. La pioche, la pelle, on s'en fout. Ouais. En gros, la baguette de négation, c'est pour faire disparaître des villages du mode millénaire.
Par exemple, les villages que vous voyez écrits ici, la Corée orthodoxe, machin, tout ça, tu les fais disparaître. Tous les villageois, d'abord, et après tu les fais disparaître. Tu fais disparaître le village définitivement. Ok, il y avait des lits. Je pense que j'ai tout vu, non? On a fait le tour. C'était pas non plus incroyable, quoi. J'entends un truc, non? Bon. Ok, bon, bah, l'attaque du château, les gars. Terminé. On va reprendre nos. On va reprendre notre route pour rentrer à la Zonze. Tout simplement. Allez, Zobadi. Oh putain. Là, on peut quasiment plus rien prendre de toute façon sur nous. Donc, bon, écoutez, ça a été plutôt riche en émotions, je dirais, là, cette attaque. Ça va, en vrai, ils m'ont pas trop fait de mal quand même. Il y a un moment, c'était chaud. Un petit moment, c'était chaud là. On a fait le turtle fight. Mais après ça va, c'est passé crème quand même. Priorité quand on rentre à la maison là, c'est multiplier les vaches pour faire un maximum de cuir. Pour faire. Oh tiens-toi. Vas-y, donne-moi un petit up là. Nope. Nope. Pour faire un plus grand sac. Parce que là, ce sac est bien trop petit. Enfin, ça va, c'est quand même pas mal, mais. M'avait compris, quoi. On découvre la map en même temps. Bon, ici, il n'y a plus rien, du coup. Est-ce que j'ai de la fourrure? Hide. Vas-y, je vais aller les tuer, du coup. Tac. Parce qu'on peut se faire une peau en fourrure aussi. Allez, venez là, les ours. Ah, des chevaux blancs. J'aurais presque pu les. C'est peut-être un peu dangereux, ils sont au-dessus de moi là, non? Vas-y, je vais les tuer de toute façon, c'est pas grave. S'il vous plaît, me tuez pas, les gars. J'ai pas confiance. Il va me flinguer. On a un arc, on va utiliser l'arc. Pas content. Oh, tu te calmes, mon pote. Tu te calmes. Headshot, man! Oh le con. Et merci. Et merci. Bah du coup, ouais, les ours en fait, faut que je les tue, j'avais zappé. C'est pour les différentes fourrures, c'est pour la salle des trésors, je crois. Je crois que je l'appelle comme ça la carte. La salle des trésors, il faut que j'ai 10 armures, 10 armes. Et 10 trophées, ah oui, la salle des trophées, ça. Et 10 trophées différents. Donc, du coup, pour faire des armures, ben, je peux faire des armures en peau de reptiles, en peau d'animaux, comme les ours, les pandas aussi, du coup. On en a tué qu'un, mais bon. C'est vrai qu'on a tué qu'un seul, du coup. Mais bon, c'est pas grave, au moins on en a tué un. C'est rare, hein, ces saloperies là. Ouais, je sais pas pourquoi, les gars, j'aime pas les pandas comme ça, hein, sa vie. Fuck les pandas. Ça va aller sur YouTube, ça, en vrai? Y a pas d'entrée là-dedans, là? Oh. On va découvrir ce que c'est, hein. What the... C'est un donjon, en fait, tout simplement. C'est un donjon. C'est un donjon, mais en bois, quoi. Comme ça, c'est avec une déco différente. Bon, évidemment, on va pas faire un donjon maintenant, hein. On a zéro stack, zéro place. Hop là. Là, on se casse. Ok, bon. On va juste découvrir ce petit bout là qui manque, ça veut dire que je l'ai pas fait, ça veut dire qu'il y a peut-être des varans ou des crocodiles ou des trucs comme ça qui traînent, qui pourront me donner un peu de peau. Et après avoir découvert ça, pour de bon, qu'on rentre à la casse. Ah, voilà, de retour à la casse, ah, les gars. De retour à la... Oh. Wow, il m'a enlevé deux cœurs là. Ouais, il m'a encore enlevé... Chaud quand même. Bon, il m'a même pas donné de fourrure en plus.
Ok, ouais, ta gueule. Bon, ben voilà. On est de retour à la maison. On a fait juste un petit truc inconscient sur le chemin. C'était au niveau de l'eau là. Au niveau de l'eau, en fait, j'ai traversé l'étendue d'eau. Je peux pas vous le montrer à la carte, sur la carte. Ben, j'ai traversé une grande étendue d'eau en gros. En nageant quoi. Et du coup, c'est extrêmement dangereux de faire ça parce qu'il y a un maximum de bestioles dans l'eau. Comme sur Terre, il y a des bestioles de partout. Et du coup, ces bestioles, quand tu es dans l'eau, tu peux pas te protéger. Il y en a, c'est des espèces de pieuvres, elles te rendent genre aveugle, tu vois. Et après, elles t'enchaînent. Il y a des creepers aquatiques aussi. Il y a. Il y a un maximum de saloperies, quoi. Comme d'hab. Alors, maintenant, c'est moment rangement. Alors. Ok, bon, on a quand même pas mal de petites fleurs. Mais je me fais envahir par les bestioles, hein. Bon. Ouais, les chevaux, il y a un zèbre chez moi, quoi. Bon, bah écoutez, ah, ça a été une bonne petite aventure, tout ça. Quand même. On a fait pas mal de trucs, hein. On a attaqué un camp de pirates, on a éclaté des varans, on a affronté un mage. On a plutôt fui un mage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a découvert un bon petit territoire quand même aussi. On a bien avancé sur la. Un petit peu avancé sur la carte. Vite fait quoi. Il y en a 4 comme ça à faire. Pour vous montrer le temps que ça va prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a tué des slimes. On a tué l'araignée laser là que vous avez pas trop vu mais qui était en très vénère. On s'est fait des poules. On va pouvoir faire un poulailler aussi. Ouais, on a quand même fait pas mal de choses dans cette petite sortie. Donc, bah écoutez les gars, moi je vais un peu ranger tout ça. Ça, je vais le faire en off à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Je pense qu'on va fonctionner comme ça. Je commence un petit peu à trouver un rythme là de croisière pour cette série. Donc du coup, je vais un peu ranger tout mon fatras, un peu arranger la base, commencer à continuez à imaginer comment ça va se passer à l'intérieur de cette base. Et ben, je vous retrouve dans l'épisode 9, du coup, de cette série, de cette saison de Minecraft Hardcore. What the fuck, un truc de fou, c'est trop dur, il se passe des trucs de malade. Allez, sur ce, je vous dis ciao, guys!